Lève la main. Les bras en l'air. Non. Vous avez conscience que si vous faites ça, jeudi, je suis viré. Surtout, pour pas être stressé, voilà, du temps, de la grâce et de la fluidité. Voilà, et on recommence. Tout juste diplômés de l'ENA, ils ont choisi l'austérité de la Cour des comptes pour démarrer leur carrière. Dans 2 jours, ils prêteront serment. Pouce fermé, doigt joint. Et la main à 10 cm de l'épaule. C'était pas mal du tout. Question. Moi j'ai un flip, c'est de rigoler quand il mettra son mortier. Non. Après avoir juré de se comporter comme de dignes et loyaux magistrats, ils deviendront membres à vie de l'une des plus vieilles institutions de la République. Créée sous Napoléon au XIXe siècle, la Cour des comptes siège au Palais Cambon, à 2 pas de la place de la Concorde. Malgré son âge, cette juridiction financière n'a jamais autant compté dans le débat public. Sa mission première, confiée par la Constitution, informer le citoyen sur l'utilisation des deniers de l'État. Dans ses rapports, elle dénonce la mauvaise gestion, les abus et les détournements. Elle conseille aussi et parfois sanctionne. La publicité faite autour de ses enquêtes tranche avec la confidentialité de ses travaux. Ces magistrats sont les shérifs de l'argent public. La prestation de serment a lieu dans 1 heure. Laetitia Buffet n'a que quelques années de plus que les nouvelles recrues de la Cour des comptes. Bonjour! C'est elle qui veille au dernier préparatif. Petite viennoiserie. Je ne sais pas si vous avez déjà petit déjeuner, mais c'est juste pour que vous ayez l'impression que ce matin c'est convivial, alors que ça ne l'est pas du tout. Non, par contre, c'est. Ouais, la vie est un peu large. T'as ta ceinture aussi. Je pense que ouais, effectivement. Voyons. On va faire ça comme ça, attends. C'est un moment important. C'est un moment important, oui. Pourquoi ? Parce qu'on jure des. On jure d'être fidèle à des engagements importants devant nos proches et puis devant des ministres, quoi. C'est quand même les autorités de la République qui sont là pour nous entendre dire des choses intimes et importantes. Cheveux gominés et barbe de 3 jours, Florian Bossert a 27 ans. Cet Alsacien fait partie des 15 meilleurs élèves de sa promotion de l'ENA. Parce que là, on est formé à être magistrat, mais pas à faire ça. Parfait. Et ça, l'absence de sens pratique des fonctionnaires se confirme. Comme ses 4 camarades de promo, il doit rembourser ses études à l'État en travaillant dans la fonction publique. Pendant 4 ans, il exercera la fonction d'auditeur, le tout premier grade de magistrat à la Cour des comptes. Je le jure. Des invités de marque sont attendus à l'occasion de cette audience solennelle, accueillis en grande pompe par la garde républicaine. Ce jour-là, des personnalités comme Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Au Palais Cambon, les traditions perdurent depuis plus de 200 ans. Comme le veut le protocole, le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, accueille ses invités en haut de l'escalier d'honneur.
procureur général. Madame, messieurs, veuillez lever la main droite. Vous jurez de bien et fidèlement remplir vos fonctions. La robe, ses auditeurs ne la porteront que très rarement. Mais leur statut de magistrat leur impose un certain nombre de devoirs, comme celui de préserver la confidentialité des travaux de la Cour. Je le jure. Monsieur Bontemps. Je le jure. Madame Roche. Je le jure. Monsieur Bosset. Je le jure. Acte est donné de votre serment. Sous ses airs de vieille dame, la Cour des comptes, longtemps refermée sur elle-même, est devenue incontournable sous l'impulsion de ses trois derniers présidents, tous venus du monde politique. Pierre Joxe, dans les années 90. Philippe Séguin, qui lui a succédé. Et depuis 2008, Didier Migaud, ancien député socialiste. Si toute la France a entendu parler de la Cour des comptes, c'est grâce à son rapport public annuel, le best-of des travaux de la Cour. Un condensé d'histoires de deniers publics mal employés ou d'argent jeté par la fenêtre. Une trentaine d'enquêtes qui seront dévoilées dans quelques minutes par Didier Migaud. Ça va, vous allez bien? Oui. Vous attention, attention. Oui. Vous voulez que je vous le présente? Voilà, merci. Les bonnes feuilles du rapport ont déjà fuité dans la presse. Est-ce que tu as vérifié l'AFP ? Alors en fait, déjà, j'ai remonté. Donc Le Monde a publié un petit peu après 7 heures, Le Figaro un petit peu avant 7 heures. À l'origine, il y a une erreur humaine au desk. Ils ont tout balancé à 6 heures alors qu'ils devaient lâcher uniquement les cotax qui avaient fuité dans le canard enchaîné. Là, on ne maîtrise plus rien. Enfin... Bah, là, tout est, tout est... Alors c'est les bonnes infos qui sont sorties, mais 3 heures trop tôt, quoi. Les informations qui sortent sont de vraies et de bonnes informations. Donc c'est, à la limite, pour l'information du citoyen, c'est pas mauvais. Voilà. Lui, il s'en fiche. Il s'en fiche, voilà. C'est pour la Cour que c'est dommageable, c'est pour nous, parce qu'on organise une conférence de presse. Aucun service de l'État n'échappe à l'œil de la Cour. Les magistrats sont sans concession avec les mauvais élèves. Alors, je voudrais à présent vous faire part des idées forces que... Je retiens des travaux qui sont présentés aujourd'hui. Le Muséum national d'histoire naturelle, qui met en évidence une situation financière très dégradée. Celle-ci est notamment imputable à une vision étroite, dépassée des missions, à des pratiques de gestion inadaptées et l'absence de modèles économiques pertinents, notamment pour le zoo de Vincennes. Alerter les médias sur la mauvaise gestion d'un zoo ou sur le scandale de l'écotaxe, les sujets sont soigneusement choisis pour toucher un large public. C'est pas obligatoirement du bruit pour faire du bruit. L'objectif, c'est améliorer l'efficacité, l'efficience de l'action publique. C'est informer le citoyen, éclairer le décideur. Dans beaucoup de domaines, malheureusement, il y a des marges de progression. C'est pour ça que nous disons, nous ne sommes pas pour une réduction de la dépense publique, pour le plaisir de réduire la dépense publique, mais nous disons qu'il y a des marges d'efficacité et d'efficience. Ce rapport, toute la presse s'en fait l'écho. L'homme qui fait la leçon au candidat à la présidentielle, Didier Migaud, président de la Cour des comptes. Il vient de rendre son rapport annuel sur les grands gâchis de l'argent public. La Cour des comptes présente son rapport annuel et elle distribue ses cartons rouges. Pour la Cour des comptes, l'État a octroyé trop d'aides aux débitants de tabac. Le rapport souligne une fois de plus le montant apocalyptique de la dette, 2200 milliards d'euros. Voilà, la Cour des comptes. Alors, ils ont titré sur l'écotax. Et donc, il y a deux pages sur le rapport. Ben, ça permet de voir aussi, voilà, par exemple, typiquement les sujets qui ont, pour Le Monde en tout cas, les ont intéressés. Les finances publiques, l'indemnisation des accidents médicaux, l'écotaxe et la formation professionnelle. J'avais pas vu la caricature. C'est marrant. C'est marrant. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette caricature, quand vous l'interprétez? Bah, là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui donne la leçon à un élève qui est peut-être un mauvais élève. Ça ressemble à Hollande. Ça pourrait ressembler au président de la République. Le
Le journaliste et écrivain Bruno Botella a enquêté sur la Cour des comptes. La Cour, depuis maintenant une quinzaine d'années, s'est habituée, s'est un peu grisée elle-même, s'est habituée à beaucoup communiquer sur les grands rapports. La Cour a besoin de cette assise médiatique, de cette visibilité très forte, pour parler d'une certaine manière d'égal à égal avec l'exécutif et d'une certaine manière affirmer son indépendance. La critique est souvent appuyée, peut-être trop. Cette année, en tête de liste des mauvais élèves de son rapport annuel, il y avait les douanes françaises. La Cour a dénoncé près de 2 millions d'euros de gaspillage. Et pour être sûre d'être bien comprise, la Cour des comptes s'est fendue de petits croquis. Les douanes ont commandé en 2010 15 avions bimoteurs. 133 millions d'euros dépensés. Fin 2016, aucun n'était opérationnel. Pointé du doigt aussi, ces 4 navires de surveillance livrés avec 18 mois de retard pour des raisons futiles, selon la Cour des comptes. Jean-Christophe Chouvet a supervisé cette enquête. Alors, il y avait certainement un problème d'incompétence. Enfin, le terme est un peu violent, mais c'est-à-dire que, en fait, la douane n'avait pas effectivement en interne les compétences requises pour gérer de bout en bout et complètement ce genre de programme d'acquisition et d'équipement. Donc, elle a un peu présumé de ses forces. Je ne veux pas dire que la douane est intrinsèquement incompétente, loin de moi cette idée, mais en l'occurrence, elle a eu tort d'essayer de faire elle-même alors qu'elle ne pouvait pas. Voilà, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas le risque de jeter le discrédit sur ces fonctionnaires de douane ? C'est un peu une difficulté, effectivement, parce qu'une telle publication est toujours perçue comme un peu stigmatisante par l'administration qui est visée. Mais si l'on considère que l'intérêt public le plus important est que on maximise les chances de correction, on décide de publier. Comment les douaniers ont-ils pris la leçon ? Dans le sud de la France, ailleurs, nous avons retrouvé les avions dont parle le rapport. 3 mois après sa sortie, les douanes ont tenu à nous montrer que ces appareils étaient bien opérationnels. L'administration a mis 5 ans à mettre en service ces avions chargés de lutter contre les trafics en mer. Selon ce haut responsable local des douanes, ce délai est tout à fait raisonnable. Il n'aurait pas mérité d'être autant mis en avant. Quand on regarde les programmes en matière d'avion, sur de l'aéronautique, c'est en général une dizaine d'années. Entre la conception, l'expression du besoin et la réalisation, ça prend une dizaine d'années. Là, le programme a été un peu plus long que ce qu'on espérait, notamment parce qu'on a des opérateurs industriels qui ont été défaillants, et aussi parce qu'on n'a pas diminuer nos exigences par rapport à nos besoins. On voulait qu'à l'arrivée, le matériel corresponde parfaitement à ce qui était nécessaire pour l'exercice des missions. Pour nous prouver que le jeu en valait la chandelle, les douaniers ont tenu à nous montrer les performances de leurs appareils. Rotation. Ces Beechcraft peuvent atteindre la même altitude que des avions de ligne. Leurs caméras infrarouges permettent de voir précisément les passagers d'un navire à plusieurs kilomètres de distance. Qu'on a info, c'est le FV Bernadette, pêcheur. Ce chalutier est à plus de 8 kilomètres de notre avion. En fait, l'intérêt de l'évolution de cet avion par rapport à l'ancien, c'est d'avoir une capacité de rester discret. C'est-à-dire qu'on va rester sur déjà une détection radar qui va se faire à plusieurs kilomètres. Voir sans être vu, pourquoi ? La priorité, on va dire, c'est concentrer sur les trafics, que ce soit les trafics notamment de stupéfiants, qui est un trafic assez important. Donc l'intérêt de ne pas être vu, c'est de pouvoir permettre un contrôle avant une fuite éventuelle du navire, et de pouvoir suivre en discrétion un navire et de faire guider des moyens d'interception. Dans son rapport, la Cour des comptes a-t-elle été trop sévère ? Au moment du tournage, 3 avions sur les 15 achetés étaient opérationnels. Mais ces difficultés de mise au point ne sont pas les seules soulignées par la Cour des comptes. 4 vedettes, comme celle-ci, ont été livrées avec 18 mois de retard. L'explication que donne le rapport a soulevé l'indignation des douaniers.
La livraison a été retardée en raison de problèmes électriques dus à l'installation d'un four de cuisine et de différents équipements de confort demandés par la brigade locale. Pour les douaniers, la Cour des comptes en fait trop. Dans le rapport de la Cour des comptes, on estime que lorsque ce bateau a été construit, il y a eu une exigence de confort de l'équipage ou des équipages qui allaient utiliser ces bateaux et pour avoir un four de meilleure qualité. Alors, comme vous le constatez, c'est un four micro-ondes tout à fait ordinaire et normal, avec une minuterie manuelle. La seule chose qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, il y avait une seule plaque électrique dans la version initiale et que l'administration, pas l'équipage, a demandé qu'il y ait deux plaques électriques. C'est toujours comme ça, sur un bateau comme ça, il y a deux plaques électriques, un petit four à micro-ondes. Donc là, vous avez une installation qui est digne d'une tente de camping et qui n'est pas du tout quelque chose de particulièrement luxueux, au contraire. On a mis l'accent sur quelque chose qui, de notre point de vue, n'en valait pas la peine, c'est-à-dire 200 ou 300 euros. Sur des budgets qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on met l'accent sur véritablement un point de détail. Pour moi, c'est un fait de communication. Le rapport a vexé jusqu'aux hommes de terrain. Quand c'est passé dans la presse, dans les journaux, même notre cercle familial, ils nous ont dit « mais qu'est-ce que c'est ? Un four de luxe sur les bateaux ?» Bon, voilà, c'est l'image que ça peut donner, alors que nous, on essaie juste de faire notre travail, tout simplement. Selon le magistrat de la Cour des comptes, le four est un faux problème. Les faits sont les faits, je veux dire. Mais on comprend leur réaction. Ça n'est jamais agréable, en général, de figurer dans l'import public. C'est assez symptomatique qu'ils se focalisent sur un point de détail, alors qu'en fait, voilà, le vrai problème, c'est qu'ils étaient très mal organisés pour se doter de moyens aériens et navals. C'était ça, le vrai problème. Ça qui aurait dû les frapper, plus que l'histoire du four, qui est vraiment anecdotique. Mais un peu révélatrice, quand même. Mais c'est pour ça qu'ils ont réagi de manière un peu épidermique, parce qu'on montrait le douanier en action. Franchement, il y a eu des cas plus graves. Le bateau des douanes qui s'est échoué en Polynésie. On n'avait pas entendu parler de ça, oui. C'est parce que les douaniers étaient partis faire une partie de pêche avec leur bateau de service, si j'ose dire, et étaient rentrés un peu éméchés et avaient échoué leur bateau sur quelques récifs. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'enquêtes internes, ça ils le savent très bien. Donc le four, c'était gentil, vous voyez. Dans son rapport, la Cour des comptes a été très pudique sur cet épisode nautique. Elle évoque un échouage malencontreux. La douane n'a pas confirmé les circonstances de l'incident. Les subtilités de la cour, Florian, le jeune auditeur tout juste arrivé, les découvre pas à pas. Pour son premier contrôle, il a hérité d'une mission difficile. Une enquête sur l'une des plus grosses administrations, la Direction générale des finances publiques qui collecte nos impôts, la DGFiP, à Bercy. Première étape de son enquête, Florian doit analyser des tonnes de données, des milliers de chiffres. Pour le jeune homme, qui a eu son bac à 16 ans, mention très bien, qui a enchaîné Sciences Po, HEC et l'ENA, ça ne pose pas de problème. J'ai toutes les données budgétaires en fait de la DGFiP depuis 2008. Là, j'arrive dans le dur, j'arrive dans le réel. Face à la DGFiP, qui est une administration de 105 000 personnes avec 5 000 implantations locales et qui exerce des missions extrêmement complexes et techniques. Dans quelques jours, il attaque la deuxième étape de son enquête. Il y a 10 ans, deux services de l'administration fiscale ont fusionné. Celle qui calculait les impôts et celle qui les collectait. Florian doit vérifier que cette nouvelle organisation est plus efficace. Pour cela, il va devoir auditionner les plus grands patrons de Bercy. Salut Benjamin, ça va ? Merci de venir. Ouais. Pour préparer son premier rendez-vous, il demande conseil à un auditeur plus expérimenté, Benjamin, chargé de le chaperonner.
J'avais une première question sur l'approche un peu psychologique qu'on peut avoir quand on arrive jeune magistrat et on fait face à des directeurs d'administration un peu chevronnés. Moi, je pense qu'il faut être très humble dans l'approche parce qu'effectivement, les gens qu'on rencontre sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, donc c'est difficile de rentrer dans un sujet aussi rapidement. Après, quand parfois on dans un entretien, on va avoir un moment où c'est un peu tendu parce qu'on touche à un point, parfois il faut reformuler, il faut refaire les choses, mais il faut surtout pas lâcher parce qu'en général, quand ça devient tendu, c'est que c'est bon signe. Ouais. Vous avez un souvenir d'arriver, de faire une boulette en contrôle, quelque chose qui n'allait pas, mauvaise question, est-ce que ça peut arriver? Le souvenir le plus dur, c'est plus quand vraiment j'avais posé une question que le contrôlait. C'était un assez haut gradé de Bercy, avec considéré à mon avis de manière assez agressive cette question. Et il m'avait dit mais on n'est pas, c'est pas un tribunal. Voilà. Et au fond, là où je m'en suis voulu, c'est que je me suis un peu écrasé, pour être honnête. Et avec du recul, je pense que j'aurais dû lui rappeler que s'il souhaite ne pas répondre à ma question, il peut le faire. Mais à ce moment-là, ce sera mentionné dans le rapport d'instruction. Vous voyez, il faut être humble, mais en même temps, il ne faut pas s'écraser. Faire parler ses interlocuteurs sans les braquer, obtenir des informations confidentielles. Les finesses du métier, c'est sur le tas et avec le temps que ça s'apprend. Tout au long d'un contrôle, vous savez, vous progressez, il faut être honnête. Au début, vous découvrez un sujet, vous allez avoir un niveau un peu plus faible que celui que vous contrôlez, puis petit à petit, vous allez avancer et surtout utiliser votre regard extérieur pour pouvoir apporter quelque chose. Pour ce premier entretien à Bercy, Florian est accompagné de deux magistrats chevronnés. Il fait équipe avec Jean-Christophe Chouvet, diplômé de l'ENA, comme lui. Avec eux, Christian Charpie, le superviseur de l'enquête, un énarque lui aussi, qui ne se déplace que pour les rendez-vous importants. Ils doivent rencontrer le numéro 2 de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. C'est pas tant la boule au ventre, c'est beaucoup de concentration, parce que on aura un entretien avec le directeur général adjoint, c'est donc un entretien à haut niveau, et du coup ça demande de la préparation, de la concentration pour être précis et pour en retirer également des choses intéressantes, des pistes de lecture sur le contrôle qu'on va ouvrir maintenant. Ça va ? Bonjour monsieur, Florian Bossert. Bonjour, Mazorie. Les collègues de Florian connaissent bien la maison et leur hôte. Bonjour madame. Vincent Mazorik a lui aussi été formé à l'ENA. Bienvenue. Merci. Merci. Merci, merci. Désolé de vous envahir encore une fois. Sans commentaire. Peut-être en introduction de cet entretien de début de contrôle, vous dire pourquoi on est là. Hein? On avait fait en 2010 ou 2011 un rapport sur la DGFiP après sa création. L'idée, c'est là de faire une série d'enquêtes qui doivent aboutir à la fin à apporter un jugement global sur l'histoire de la création de la DGFiP. Donc il faut voir ça, ou cette séquence-là, comme un troisième étage. Comme un troisième étage. Et là, je crois qu'on aura à peu près l'ensemble du dispositif. L'idée, c'est monter jusqu'où? Derrière les sourires convenus, l'ambiance est crispée. Les fonctionnaires de Bercy n'ont jamais vraiment accepté que la Cour des comptes vienne mettre son nez dans leurs affaires. Des deux côtés de la table, on joue au jeu du chat et de la souris. On est reparti de l'objectif qui avait été affiché au moment de la fusion, c'est-à-dire un meilleur exercice des missions à moindre coût. Est-ce que sur ces sujets-là, vous avez avancé depuis, pas avancé? Enfin, est-ce que c'est à l'ordre du jour? Est-ce que c'est dans un coin de tiroir? Est-ce que c'est dans une poubelle de l'histoire? Passé la provocation et l'ironie, les échanges sont surtout très techniques. Formés à la même école, contrôleurs et contrôlés parlent tous la même langue, celle des technocrates. On n'aurait probablement pas fait confiance de la même manière à une des deux administrations avant fusion pour y mettre le SRE, autant qu'on l'a fait avec la DGFiP. Mais au bout de 2 heures, le fonctionnaire de Bercy s'agace. Le contrôle demanderait trop de travail à son administration. Il y a quand même 95 questions, n'est-ce pas ? Comment je vais vous dire ça ? Moi, je ne sais pas et je ne ferai pas, pas non plus, au-delà du disponible.
Sinon, Virginie, elle arrête tout et elle fait que ça. Et donc, je le dis par avance, ben, quand on ne pourra pas, on dit on ne peut pas. On ne pas chercher à faire. En général, vous êtes ravis de les voir. Il cache sa joie. J'ai pas entendu, en fait. Si j'y mets un sentiment, c'est pas celui-là. Ça vient d'être là, alors. J'ai juste dit que c'était pas celui-là. Elle m'a dit que c'était, c'est d'extase. Ils viennent souvent vous voir, hein? Oui. Très souvent. Trop souvent. Trop peut-être, alors c'est ça. Vous vous placez peut-être un peu, non? On est une grande administration de l'État qui a des missions importantes et le contrôle est normal. Du Parlement ou de la juridiction financière. Et en plus, nos comptables sont personnellement responsables de leurs comptes devant le juge des comptes. Donc ça fait partie de notre métier. Vous avez compris sur quoi porter le contrôle? Moi, j'étais un peu perdu à un moment donné dans la réunion. Je suis un peu comme vous, mais je crois qu'à la fin, j'ai compris. Là. Bon, ça s'est plutôt bien passé, non? Ben moi, j'ai pas de point de comparaison, mais je trouve que ça a permis des échanges riches et instructifs sur de nombreux points. Là. Voilà, c'est un côté déclaration du Quai d'Orsay. Oui, mais enfin, riche et instructif, c'est quand même pas franc et cordial. Non. C'est beaucoup plus. C'est vrai, c'est vrai. Non, il y a de pardon la matière quand même. Oui, oui. Ouais. Au cours de leur carrière, les magistrats alternent souvent entre la Cour des comptes et des postes de hauts fonctionnaires. Ouais. Un jour, Florian se retrouvera peut-être de l'autre côté de la barrière, dans la position moins confortable du contrôlé. Les contrôles de la Cour des comptes sont redoutés. Lorsque cette juridiction financière découvre des irrégularités ou des malversations, elle a un pouvoir de sanction. Cela se décide sous la responsabilité d'un procureur général, Gilles Johannet. Avec son avocat général Christian Kruger, ils analysent les rapports qui pourraient déboucher sur des poursuites. Sont concernés les administrations et tous les organismes qui reçoivent de l'argent public. Dossier Curie, on voit Curie. L'Institut. Ce matin, ils préparent l'audience au cours de laquelle doivent comparaître les responsables d'une célèbre fondation. Alors, je rappelle peut-être brièvement les faits. Brièvement, l'Institut Curie est une fondation qui fait notamment appel à la générosité du public, qui mène des actions à la fois de recherche sur le cancer, comme son nom le suggère, mais également des activités de soins. Elle est organisée en... Les magistrats s'interrogent sur le salaire exorbitant de l'ancien directeur, 48 000 euros par mois, ainsi que sur les conditions dans lesquelles cette rémunération lui a été consentie. Département institutionnel. Le conseil d'administration a bien entériné, je dirais, l'engagement de cette personne, mais a été tenu soigneusement dans l'ignorance des conditions de sa rémunération. Nous sommes là au triple ou au moins au double de la rémunération normale qu'un cadre dirigeant, même éminent spécialiste, aurait pu espérer. C'est une situation complètement anormale. Et ayant... mis hors circuit le conseil d'administration. C'est assez singulier, quand même. Le directeur de l'Institut Curie a empoché son salaire en toute légalité. Ceux qui vont être poursuivis, ce sont les donneurs d'ordre. Le trésorier de l'Institut, qui a payé, et le président, qui lui a demandé de le faire. Dans ce dossier, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Selon le procureur, l'affaire ne relève pas de la justice pénale. Quand il y a une régularité qui est purement financière, nous pouvons saisir uniquement la Cour de discipline budgétaire. Il n'y a pas malversation, il y a uniquement une irrégularité. On saisit la Cour de discipline. La CDBF, la Cour de discipline budgétaire, ne prononce que des amendes. Son verdict est pourtant redouté. La CDBF, c'est plutôt une opprobre un peu symbolique. Quoi. Passer en cours de discipline budgétaire et financière, c'est quelque chose qui est infamant en soi. Oui, c'est une décision qui est publiée, etc. Donc, ce qui
qui marque surtout, c'est d'être passé, voilà, parce que c'est publié, c'est sur le site de la Cour. Enfin, c'est... Le plus souvent, la CDBF, c'est 1 000 euros, 2 000 euros, c'est donc des sanctions financières extrêmement faibles. Est-ce que finalement, donc, vous dites, c'est peu, tout ça pour ça ? C'est pour ça que je refuse de saisir la CDBF sur des affaires concernant des lampistes. Vous voyez ? Là, sur le dossier Curie, là, c'est très net. Au président et au trésorier, c'est pas des c'est pas des c'est pas du tout venant, hein. C'est pas du tout venant. C'est vraiment des gros calibres. D'ailleurs, le président, moi, est quelqu'un que je respecte. Hein. C'est quelqu'un que j'estime. Oui, mais ça fait rien. C'est pas admissible, ça. Tandis que si c'est la directrice de l'EHPAD, de Trou-Trou la Crevette, qui n'a pas tout à fait respecté le code des marchés publics, mais sans aucune intention de nuire, et naturellement sans malversation, ne passons pas des dizaines d'heures sur le dossier. Faisons un rappel à la loi. Chère madame la directrice, ce que vous avez fait, c'est pas bien, on s'en est aperçu, s'il vous plaît, recommencez pas, on finirait par s'énerver. D'accord ? Vous voyez la différence ? L'audience concernant l'affaire Curie se tient dans quelques minutes dans l'enceinte de la Cour des comptes. Le procureur général entend réclamer 5 000 euros d'amende pour le trésorier de l'Institut Curie et 7 000 euros pour le président. L'audience est publique, mais nous ne pourrons pas filmer les débats. Les deux prévenus ont refusé d'apparaître à l'image. La Cour ! L'audience va durer 2 heures. Le président de l'Institut Curie ne sera condamné qu'à 1 500 euros d'amende, le trésorier relaxé. Des peines moins lourdes que ce que réclamait le procureur. Mais l'important pour lui, c'est le symbole. Plein soleil sur les comptes, d'accord ? Coup de projecteur sur les cochoncetés et mise à l'ombre des coquins. Voilà. C'est ça le boulot. Sachant que on a un défi à la Cour des comptes. Mais c'est très bien d'ailleurs, c'est tant mieux. C'est que l'appétit vient en mangeant. D'accord ? Et donc plus on fournit aux citoyens des rapports, des données, etc., plus il en veut. C'est normal. C'est normal. Donc plus on est, je crois, tenu d'approfondir non seulement nos analyses, mais les recommandations qu'on va faire. Approfondir son analyse, collecter des données, c'est la mission de Florian. Il doit mesurer l'efficacité de l'administration qui gère nos impôts et proposer des pistes d'amélioration pour faire des économies. Pour cela, il va parcourir des centaines de kilomètres, visiter de nombreux centres des impôts et interroger des dizaines de fonctionnaires. L'enjeu, c'est de comprendre comment ça se passe pour les gens, en vrai, sur le terrain. Donc évidemment, on ne va pas aller dans un seul service et ensuite extrapoler les résultats sur toute la France, non ? On a essayé d'avoir une approche la plus globale possible. On est allé dans des centres très urbains, dans les quartiers riches, à Lyon, à Paris, à Sceaux. On est allé dans des milieux très ruraux également. C'est ce qu'on a fait au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Et là, on va dans un milieu urbain avec une population plus modeste. Et donc, pour voir, en fait, avoir un aperçu du service offert par la DGFiP dans chacun de ces différents environnements. Pardon. Nous accompagnons Florian à l'occasion de l'un de ses derniers rendez-vous en Seine-Saint-Denis. On y est, c'est la rue, là. En chemin, l'auditeur a tenu à nous montrer un des problèmes qu'il a constaté sur le terrain. Quand on arrive sur un contrôle, on est attentif à tout. Et quand on arrive ici, par exemple, on s'intéresse à l'accueil, à la façon dont les gens sont accueillis. Et quand on arrive, on voit qu'il y a tout un dispositif de barrière qui permet de faire patienter les gens. Parce qu'ici, on a des temps d'accueil qui vont de 1 heure à 3 heures ou plus. Donc les gens attendent ici en ligne. Ils sont également sur toute la voie publique, sur le trottoir, pendant des heures. Donc ça, c'est la première chose qui marque. Des files d'attente interminables, Florian n'en reste pas au constat. Son travail, c'est d'essayer de comprendre. Il a pris rendez-vous avec le directeur départemental des impôts. Merci de me recevoir
propose de revenir rapidement sur cette, sur cette visite, les principaux constats. Le premier qui marque dès qu'on arrive, c'est le besoin d'accueil physique. Oui. Pourquoi les gens ont encore besoin de présence physique? Parce que quand on regarde les statistiques en Saint-Denis, à Saint-Denis par exemple, on voit que le principal motif de visite, c'est payer ses impôts. On a des populations qui maîtrisent mal la langue, des populations qui ont une compréhension des procédures administratives assez, assez éloignée de celles que l'on peut avoir, vous et moi. On a des populations aussi qui ont des préoccupations financières qui les conduisent à demander des délais. Et ce faisant, qu'ils viennent à nos guichets, parce que c'est beaucoup plus facile de demander un délai que par une procédure dématérialisée telle Internet. Est-ce qu'il faut orienter de façon un peu plus incitative, voire contraignante les usagers? On n'a pas de démarche contraignante. On explique aux guichets qu'ils auraient pu ne pas venir tant leur réponse était simple ou leur démarche, quasiment inutile quand il s'agit simplement de déposer une déclaration fiscale. Mais on ne refuse pas. Ça, les agents ont des directives pour... Ah, ils ont, ils remettent des documentations qui permettent d'avoir les numéros de téléphone ou les adresses Internet, etc. En Seine-Saint-Denis, comme ailleurs en France, Florian découvre qu'il reste des progrès à faire pour inciter plus fortement les citoyens à payer leurs impôts via Internet. Il compte l'évoquer dans son rapport. Après 3 mois d'enquête, le jeune auditeur doit remettre sa copie. La conclusion est la partie la plus délicate à rédiger. C'est ce que l'on appelle les recommandations, les conseils pour aider l'administration à s'améliorer. Je pense qu'on ne doit pas seulement d'analyser et de dresser des constats. Il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Et il faut des recommandations qui soient cohérentes avec les constats qu'on mène, qui soient réalistes, c'est-à-dire des choses qui pourraient réellement être mises en œuvre. Et en plus, il faut que ce soit documenté. Il faut que ce qu'on propose permette réellement des améliorations, que ce soit dans la qualité de service ou que ça permette réellement de réaliser de nouvelles économies. La rédaction de son rapport emmène Florian jusqu'à des heures tardives. Bonjour, monsieur Chouvet. Ça va ? Ça va bien. Avec son collègue Jean-Christophe Chouvet, ils s'en sont répartis l'écriture. Ce soir, ils confrontent leur version. Chaque mot, chaque chiffre est consciencieusement pesé. Alors, la deuxième partie, donc, l'évolution des conditions. Alors, là, vous avez... Le coût, d'abord. Ouais. Le coût, la dématérialisation et l'organisation. Donc, il vaudrait mieux mettre les moyens, ça inclut effectivement, moyens et coûts même. Moi, j'ai trouvé, c'était mon premier, j'imagine qu'au bout de quelques années, c'est plus facile, mais assez laborieux. C'est-à-dire que chaque phrase, ça peut nous prendre un quart d'heure d'aller chercher un chiffre dans un dossier particulier. Donc, c'est très très long, c'est beaucoup d'exigences. C'est pas une logique de la rhétorique, c'est vraiment une logique de la preuve et de la démonstration. Donc, il faut effectivement que les bases soient très solides. Dans un peu plus d'un mois, les deux magistrats présenteront leur travail à leurs collègues. Avant sa rédaction définitive, toute enquête doit être validée par la hiérarchie de la Cour des comptes. La Cour des comptes aime peser ses mots. Elle aime aussi peser dans le jeu politique. Ce matin, un rendez-vous important attend le premier président de la Cour des comptes à Matignon. Il doit rencontrer le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Didier Migaud n'est pas venu les mains vides. Avec lui, un rapport sur l'état financier de la France. Chaque année, la Cour des comptes fait un rapport sur la situation et perspective des finances publiques. Et puis, lorsqu'il y a une alternance, c'est la règle que l'on fasse un audit plus approfondi à la demande du nouveau Premier ministre. Ça avait été le cas en 2012, et puis c'est encore le cas aujourd'hui. La connaissance de la réalité de la situation des finances publiques est indispensable avant toute prise de décision. Le nouveau chef du gouvernement, Édouard Philippe, compte en effet s'appuyer sur cet audit pour préparer son budget. Les deux hommes vont s'entretenir pendant plus d'une heure.
L'audit est très sévère. Il suggère que l'ancien gouvernement a camouflé l'état dramatique des finances publiques. De retour dans ses locaux, Didier Migaud dévoile le contenu du rapport à la presse. Le vocabulaire employé va faire polémique. Un mot en particulier. Pour 2017, nous disons qu'il y a des éléments d'insincérité. Comment appelez-vous des sous-budgétisations récurrentes et connues au moment où elles sont décidées? Trouvez-moi d'autres mots pour qualifier cela. Selon la Cour, voilà, oui, le gouvernement précédent a volontairement sous-estimé les dépenses de l'État, faussant les prévisions du déficit public. Didier Migaud se défend de tout parti pris devant les journalistes. On faisait apparaître ces éléments d'insincérité. Et nous sommes prêts au débat, mais nous ne voulons pas entrer dans un débat polémique et politique. Nous rendons notre copie. Après, toutes les interprétations sont possibles, mais en tout cas, je le confirme, le travail que nous avons fait, il est vraiment au poil près et le plus rigoureux possible. La conférence de presse de Didier Migaud à peine achevée, le Premier ministre Édouard Philippe va aussitôt se saisir de l'audit pour critiquer la politique budgétaire de ses prédécesseurs. L'équipe sortante s'était engagée sur un déficit à 2,8% du PIB. La Cour nous dit aujourd'hui qu'il est sans doute autour de 3,2%. Nous héritons donc d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. C'est inacceptable. Dans la foulée, le gouvernement s'est appuyé sur cet audit pour justifier des coupes budgétaires. Bercy a supprimé 900 millions d'euros aux armées et annulé 300 millions d'euros de dotations aux collectivités locales. Le scénario était parfait. Presque trop parfait. La polémique déclenchée par cet audit va se retourner contre la Cour des comptes. La presse lui reproche de servir les intérêts du gouvernement d'Emmanuel Macron. À l'intérieur, il y a une page avec toutes nos infographies. Très content. L'audit à charge de la Cour des comptes. Ça, il faut le corriger. Il faut le corriger dans ton discours. Ok, à tout de suite. Ouais. Dans l'appel de titre, il y a la charge. La charge de la Cour des comptes, c'est leur interprétation, elle est libre. Voilà. Mais quand à l'intérieur, ils titrent audit à charge de la Cour des comptes, ça c'est plus embêtant. Là, il s'avance. Didier Migaud voudra sans doute réagir. Je pense que Didier Migaud va réagir et va répondre à ça. Nous n'instruisons ni à charge ni à décharge. La Cour des comptes ne ferait pas son travail si elle ne disait pas ce qu'elle constatait. Il y a un mot qui a fait débat, c'est le mot insincérité. Vous connaissiez la portée de ce c'est mot-là? C'est le mot qui convient, oui. Vous nous ferez crédit que nous connaissons la définition des mots. Il peut y avoir une interprétation qui nous dépasse. La Cour, elle n'est pas du tout naïve, c'est-à-dire qu'elle maîtrise maintenant parfaitement sa communication, elle n'est pas prise au piège, elle n'est pas prise en défaut, elle sait très bien que tel ou tel terme va être souligné par la presse, les travaux de la Cour sont beaucoup repris. Elle préfère la rigueur, être instrumentalisée, être au cœur comme ça de la tourmente médiatique du moment. C'est le moyen pour elle de peser dans le débat public. Et en l'occurrence, elle n'a pas fait. Il faut dire qu'en 2012... Mis en cause dans le rapport, l'ancien secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert, pointe un dysfonctionnement de la Cour des comptes. Comme je suis un peu massif, il faut que j'essaie de voir. La plupart du temps, la Cour envoie le projet de rapport aux personnes concernées, que ce soit les administrations ou les ministres. Ça permet aux ministres, aux administrations de répondre en disant « oui, nous sommes d'accord ». Telle partie de votre rapport, nous l'approuvons. Par contre, telle autre partie, nous la contestons pour telle et telle raison. Personnellement, et Michel Sapin comme moi, n'avons pas été consultés. On ne nous a pas demandé notre avis sur ce rapport. On ne nous l'a même pas communiqué. On l'a donné à la presse, d'ailleurs, largement avant que nous puissions y avoir accès.
La Cour des comptes a-t-elle enfreint un de ses principes, la contradiction ? Nous avons contredit avec leurs administrations. Bon, sur les chiffres, et qui sont incontestables, après qu'ils puissent avoir leurs propres commentaires, je dirais que ça les regarde. Mais une fois de plus, nous sommes dans notre rôle que de le dire. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est la réalité. Et personne n'a contesté, au niveau administratif, ce que nous disions. Bon. Le commentaire politique, une fois de plus, m'échappe complètement. Pourtant, avant la publication de l'audit, le procureur général Gilles Johannet avait alerté Didier Migaud sur l'absence d'échange avec les ministres concernés. C'est ce que suggère un document confidentiel qui retranscrit les propos du procureur général. Nous aurions pu engager une contradiction, d'autant que le débat que nous allons avoir sur l'insincérité met à jour un risque de polémique. Au lendemain de la parution de l'audit, l'ancien ministre des Finances Michel Sapin mettra directement en cause le premier président de la Cour des comptes. C'était lors d'une audition de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Je voudrais juste dire, sur ce point, sans personnaliser, parce que j'ai énormément de respect pour la Cour des comptes et que c'est une des grandes institutions de la République qui est par définition sévère. Mais Pierre Jobs ou Philippe Seguin n'auraient pas agi ainsi. Didier Migaud aurait-il sacrifié l'indépendance de la Cour des comptes à des intérêts politiques ? Migaud est évidemment politique, il l'est toujours dans son attitude, il l'a été toute sa vie. Donc il n'a pas changé de personnalité du jour où il a été nommé à la Cour. Il connaît tous les codes, ça a été un pilier de l'Assemblée nationale, il a été président de la Commission des Finances. C'est pour ça qu'il ne peut pas ignorer lui, je pense qu'aucun magistrat n'ignore, même lui, en tant que président, ayant fait 20 ou 25 ans dans la politique, il ne peut pas ignorer l'impact de ses paroles dans le débat public. Les polémiques ne semblent pas altérer la popularité de la Cour des comptes. Chaque année, le Palais Cambon fait recette lors des Journées du patrimoine. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonne visite. Bonjour, bienvenue. Le premier président accueille en personne les contribuables français. En septembre dernier, 5000 personnes ont gravi l'escalier d'honneur en un week-end. Bonne visite à vous. Bonjour, bienvenue. Là, vous pouvez admirer la galerie des portraits des premiers présidents. Depuis 1807. Florian, après 9 mois dans ses murs, semble très à l'aise dans ses nouveaux habits. Vous avez la tête d'Hercule également. Il est ravi d'être là pour accueillir tous les gens qui vont venir découvrir la cour et leur faire présenter le palais, mais surtout nos missions, notre travail. Alors on m'a demandé de mettre la tenue. Il paraît que ça plaît aux gens, notamment aux enfants. Donc, et puis aussi, c'est un moyen pour eux de m'identifier rapidement. L'ambiance, d'habitude feutrée, du Palais Cambon a laissé place à la foule des curieux. Les magistrats se prêtent de bonne grâce aux exigences du spectacle. Mais je vous en prie, approchez-vous si vous voulez découvrir la galerie des portraits des premiers présidents. Depuis 1807, il faut tous les apprendre par cœur. On vous interroge à la sortie. je réponds, pourquoi il n'y a que des hommes ? C'est le président de la République qui nomme le premier président de la Cour des comptes. Donc, je vous invite à adresser cette question au président de la République. Okay. La semaine prochaine, je présente mon rapport sur la Direction générale des finances publiques pour mon premier vrai délibéré depuis mon arrivée à la Cour des comptes. Donc, ça va être un moment important. Ouais. Là, pas trop la boule au ventre ? Non, pas la boule au ventre. Je pense qu'il y aura un peu d'appréhension avant et on essaie de contourner cette appréhension en préparant au maximum notre travail. Et ensuite, advienne que pourra. Hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Ce matin, une dizaine de magistrats expérimentés de la Cour vont se réunir pour examiner la présentation de Florian Bossert. Le jeune auditeur rend les conclusions de son enquête sur la fusion de deux services de l'administration fiscale. Celui qui calculait nos impôts et celui qui les collectait. Il va être soumis aux critiques et aux remarques des conseillers maîtres réunis ce jour-là. Prenez place.
Bien, nous allons donc procéder à l'examen du rapport présenté par Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, et Florian Bossert, auditeur. Rapport consacré à la Direction générale des finances publiques. C'est Florian Bossert qui nous présente le préambule, c'est-à-dire les premières observations. Oui, les premières, avant d'entrer dans la présentation du rapport en tant que tel, un retour rapide sur les conditions dans lesquelles cette instruction a été menée. Sur les déroulements du contrôle, l'instruction s'est globalement déroulée dans de bonnes conditions, avec un bémol sur les questionnaires, puisque la DGFiP a tardé, parfois considérablement à nous répondre. Et donc maintenant, la présentation. Compte tenu de ce qu'il a découvert sur le terrain, des centres des impôts parfois surchargés, d'autres quasiment vides et pas assez de paiements sur Internet, le contenu de son rapport est mesuré. Dans leur application. Cette rationalisation des moyens n'interdit pas non plus une réflexion sur le périmètre des missions et le rapport en la matière trace quelques perspectives. Merci beaucoup. Je vais demander à Christian Charpie, contre-rapporteur, de nous faire part de ses observations. Le texte écrit de son contre-rapport vous a été distribué et vous le retrouvez sur table. Christian Charpie. De ces éléments, moi, je retire quatre constats principaux. Le premier, c'est qu'en général, quand on fait une fusion, c'est pour mettre une administration en mouvement. Et ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'on a l'impression que la fusion... Le superviseur de l'enquête va ajouter sa patte et elle est beaucoup plus tranchée. Deuxième élément, le rythme des réductions des emplois et des frais de fonctionnement de la DGFiP, finalement, n'a pas été radicalement bouleversé par la fusion. Au fond, l'évolution des effectifs est la même avant et après. Dernier élément... À ce stade, le message de la Cour n'est pas encore définitif. Le réseau de local de la DGFiP s'est mis à bouger récemment, mais enfin, dans des proportions modestes. Voilà, c'est des constats qui sont quand même assez inquiétants, assez déprimants. Voilà, il faudra que la collégialité se prononce sur ce qui doit être retenu. Les magistrats proposent de donner au directeur de Bercy une dernière occasion de se défendre. Ce qui sera envoyé plus tard. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un sujet majeur pour eux. Ils pourraient nous reprocher de ne pas l'avoir auditionné. Donc, On a plutôt intérêt à la fois dans la forme et sur le fond à organiser l'audition pour montrer qu'on est dans une posture qui est une posture d'écoute et de contradiction à tous les stades et pas simplement au stade final. Donc on met audition du DGFiP. Verdict de la réunion, Florian va devoir compléter sa copie. C'est au moins plusieurs semaines de travail avant d'aboutir au texte définitif qui sera rendu public. Ça fait 9 mois que je suis à la Cour, donc je suis encore sur la courbe d'apprentissage pour essayer d'apprendre vraiment toutes les facettes du métier de magistrat financier, qui n'est pas simple. Donc moi, mon objectif, c'est de peaufiner, de parfaire cet apprentissage de façon à ce que je sois le plus utile à la Chambre et à la Cour et à ce que mes travaux servent le service public, l'administration en général, parce que c'est notre finalité à tous et c'est pour ça qu'on est venu travailler ici. Si la Cour des comptes n'a aucun pouvoir pour imposer ses recommandations, elle a appris à faire entendre sa voix. C'est ce qui en fait aujourd'hui une des institutions les plus attractives pour les jeunes talents de la République. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure.